Bonjour, internautateur ici, internautateur ici, Galen pour les jeux du cygne. On se retrouve ce soir avec Éternel et Alastre. Salut à vous. Salut, bonjour. Ah oui, il n'y a pas que je dise bonjour. sur Hellcard, qu'on vous a déjà présenté un certain nombre de fois. Donc là, il y a un DLC qui va bientôt sortir avec une nouvelle classe qui est le Brujah et qui est bien cool. Et j'ai fait une première partie, c'est disponible depuis aujourd'hui. Et ouais, j'ai fait une première partie bien sympa. Et puis donc là, on va se refaire ce soir un petit run à 3 en multi. Voir un peu ce que quoi que ça donne. Ouais. Il faut que tu mettes prêt, Éternel, quand tu es prêt. Donc Éternel joue mage et Alastre joue bricoleur. C'est parti. Voilà, moi, je vais jouer mage avec des mécanismes qui font que mon perso en fait perd de la vie pour infliger pas mal de dégâts, globalement. Alors. Donc voilà, mais la compétence de base me fait perdre un point de vie et infliger 2 points de dégâts. Et si jamais le monstre survit, je peux récupérer, je chope une carte qui me redonne 1 ou 2 points de vie. Bon, déjà on prend pas de dégâts. Tac, ça. Et puis donc ça, ce qui est absolument indispensable, en fait, qui me permet de me soigner. À la fin de ma bataille, je me soigne de 1 PV pour chaque ennemi non invoqué que j'ai tué moi-même. Donc il faut pas que les copains ils en tuent trop. Trois d'un coup. C'est quoi? T'as une compétence passive qui fait ça ou c'est une Pourquoi ça n'a carte? pas fonctionné? Ah non, c'est une carte verte? D'accord, ok. J'ai pas compris. Oui, vu que t'arrêtes pas de t'infliger des dégâts, effectivement, il vaut mieux Voilà. que tu te vides un peu. C'est quoi cette merde? Pourquoi j'inflige pas de dégâts? Tu commences déjà à dire des gros mots. Ben non, mais il est marqué que je suis censé infliger 2 de dégâts. Salut Prilcop, bienvenue sur le live. Nous aussi, on Pourtant, adore. c'est du bêta, hein. Oui, mais ça fonctionnait sans problème précédemment. Ah, là, à mon avis, ça bug. Ça fonctionne pas en multi. Est-ce que ça ne fonctionnerait pas en multi? Je n'en sais rien. Ouais, c'est vraiment très très chouette comme jeu. Là, j'ai perdu plein de vie et j'ai fait 0 dégâts. C'est bien. Bon. Comment je sais pas ce que t'as joué du coup. Attends, je vais passer sur Twitch, ce sera plus simple. Hop. Ouais. Là, j'aurais dû en tuer 5. J'en ai tué 0. Ah oui, carrément. C'est bien. Juste la peine. Attends. Moi, je trouve que ça reflète ta puissance habituelle. Si je fais ça, là, c'était censé en donner à tout le monde. Et pas que à moi. Ouais, T'as les donc. cartes en français ou en anglais? Non, c'est les cartes ne sont qu'en anglais. Donc là, non, il y a un vrai souci. Il y a un. C'est pas un souci que la traduction est mal faite? Non, non, non. Vous auriez dû choper 6 d'armure chacun. J'arrive pas à interagir. Est-ce qu'on ferait pas un quitter et recommencer? Tu veux qu'on Si. lance une partie? On va. Quitter la session. Multijoueur. On va réessayer. Ça a fonctionné sans Oui. problème. Il faut que ça soit toi qui lance. Ouais, bah c'est déjà ce que j'avais fait. Jouer un Et 8. c'est peut-être un souci du fait que nous on n'est pas le DLC et que du coup. Et j'ai demandé, normalement ça aurait dû fonctionner. Ouais. J'ai posé la question au dev directement, donc. Non mais ce qui fonctionne, c'est qu'on peut te rejoindre et tout sans avoir le perso. Mais peut-être que ça crée un bug sur. Bah c'est là, je veux dire, c'est de la Oui, non bêta test, mais hein, donc. effectivement, ça reste du bêta, de la bêta, donc. Non, pas de date. Ah si, c'est bon. Je vais vérifier que j'avais bien pris mon dernier tâche. Pardon. Y a un délai sur Twitch? Il y a toujours un petit délai, oui. D'accord. T'as intérêt à muter Twitch. Non mais c'est toujours muté Twitch, par défaut. Non, c'était au niveau de l'image surtout. C'est que Normalement, oui, il y a un petit j'étais délai. déjà en jeu, t'avais même pas encore fini le cooldown donc. Alors, bon, je vais retenter. Attends, ça. C'est pas la peine qu'on fasse 50 milliards de trucs si ça fonctionne pas de nouveau. Ouais.
Donc là, ça En fait, marche. non, ça fonctionne Ah pas. non, d'accord. Tu vois, le sort que je joue, hein, infliger 2 dégâts, et si mon survie, je récupère. Alors, en l'occurrence, il survit pas. Et si t'essayes de le faire sur une autre zone que la tienne pour voir. Ouais. T'as testé les choses, hein. Ça fonctionne pas. Et ça, là, je peux en tuer 5 d'un coup, ce serait bien. D'accord. Bon, bon, Oui, ok. Du coup, bon. ça résout le problème. Ça résout un peu le problème. Attends, à la limite, je vais demander. C'est de la bêta. Hein. On s'est fait raid. Aïe. Bugadin qui nous raid avec 23 personnes. Ouh là là là, mon Dieu. Mais ils arrivent au bon moment. Ils arrivent juste au bon moment. Salut Voilà, Bigadin. Merci c'est pour le gentil. raid. On a un souci, ça bug. Ça bug. Après, nous, ça a l'air très bien marché, hein. C'est juste toi. Oui. Ouais. Mais on va faire la campagne à deux, puis lui va nous regarder, c'est tout, C'est hein. ça. Gros 77, bienvenue, merci pour ton premier message chez nous. Et bon appétit à tous ceux qui vont manger. On a un C'est souci. une bonne idée, ça. AFK, tant que tu résolves ton problème. Ouais. Si vous voulez, on a des petites araignées à manger, nous, ici. Ouais, on a c'est bon les araignées. Tac tac tac. Tac. Vous avez tous les deux vous avez tous les deux mille On a tous les deux mis le truc de bêta avec le mot de passe que tu nous as donné. Et switch sur l'autre, il m'a fait un micro téléchargement de 4,9 mégas. Ouais. Moi, je t'avoue que j'ai pas fait gaffe s'il m'a téléchargé quoi que ce soit. Et là, si je fais ça par exemple, ouais, même chose, ça fait rien du tout. Ouais, si, moi, il m'a fait un téléchargement de 55,1 MO. À 20h37. Et le jeu était toujours installé chez toi? Tout à fait. Bon. Moi je l'ai réinstallé, j'ai fait comme t'as dit, hein, donc. On va faire fin de tour, on va voir. Ah, si ça se trouve, t'es nul qu'au premier tour? C'est peut-être ça. Je sais pas. Ouais. Il faut que tu passes ton premier tour à chaque fois. Et Non, toi, en fait, il est trop puissant, c'est pour lui mettre un handicap, c'est toi, il pour faut ça. que tu passes ton tour tout court, Sam. Ah, pardon. Ruine de la cuisine. Ouais, du coup. C'est dommage, il y avait un joli pack. Là, tu vas pour lui faire des dégâts maintenant. Et il y en a un, il dit qu'il n'a pas de soucis. Ah, je vais vérifier, hein, des fois que j'ai fait une bêtise, mais je crois pas. Ah. Vas-y. Est-ce que ça marche? Alors, est-ce que... Ouais, non, même chose. Je m'inflige des dégâts, mais je ne fais rien. Je ne peux pas faire de blocage. Si, je mets du blocage chez moi, mais chez vous, je peux rien faire. D'accord. Je vais me petit suicider doucement, mais sûrement. Bravo. Je vais vérifier, mais. Déconnexion. Fuir le Non, combat. Oui. j'ai quitté du coup. Bon, Properties, bah on va fuir le combat alors, hein. Release candidate, upcoming change test. C'est bien ça, hein. Ouais, bah c'est... Non.
Où est-ce qu'on voit la version Il y a autre chose à faire ou c'est tout? Juste. Normalement, tu vas juste dans Ouais, c'est ça. Game Propriété, Property, activer Bêta, la Release Candidate, oui. Ouais. non, Et une fois en jeu, on peut voir. dans Bêta Privé, est-ce que tu as rentré le code dans Bêta Privé? Attends. J'ai rentré le code dans Private Beta, oui, c'est ça. Et c'est là qui du coup il m'a activé dans Beta Participation, du coup j'ai None et Release Candidate Upcoming Change Test. Ouais, pareil. Yeah, Pas faire beaucoup mieux. sorry, thanks, Game Night, please. We are trying, but I don't know if you've seen what happened. I try to deal damage and it doesn't do anything. I try to add the block and it doesn't do anything. Yeah. Except for yourself. Yes. Okay. You saw what happened. That's a bit strange. Yes. That's me. And you have tried yourself with also in multi. Question toute bête, si c'est nous qui lançons, vu que t'es en bêta, est-ce que tu pourras quand même sélectionner la Bruja ou pas? Oui, normalement, en fait, ça, le fait d'avoir eu l'accès à la bêta me permet de jouer la classe. D'accord, donc typiquement, est-ce que si moi j'essaie de lancer la partie et de t'inviter, voir si ça change quelque chose? On n'a pas essayé, On peut donc essayer, on hein. peut essayer, hein. On peut Et plus essayer. après. Hein. Du coup, Create Lobby. Hop, Invite Friend. Gaelden, oui. Par contre, je n'ai pas Alastra. Même Je suis pseudo, malheureux. Je vais peut-être Ouah. pouvoir l'inviter moi. Ouais, je peux l'inviter moi. Tu peux? Ok. J'invite un copain qui invite un copain. Je C'est suis le ça. copain d'un copain. C'est ça. Hop, nouvel essai. C'est génial, maintenant j'ai l'overlay de Steam par-dessus. Et si, quand t'as, quand t'as, quand t'as, quand t'as. C'est bon. Hop. Beaucoup d'araignées. Pas de Ça fait pareil. beaucoup d'araignées. Ouais. Ah, ça prend des dégâts. Alors, est-ce qu'il peut jouer le monsieur? Est-ce qu'il peut jouer le monsieur? Ça a Non, pas l'air mieux. c'est la même chose. Hop, je mets du bloc, mais je peux rien faire. C'est chiant, c'est même pas drôle. Mais peut-être que le jeu reconnaît juste ton skill naturel et que voilà. C'est un peu frustrant. Je vais quitter le jeu. Parce que moi j'ai pas redémarré, des fois que. Ouais, je vais quitter tout aussi. Et je t'ai envoyé en message privé l'écran que sur lequel j'ai choisi la bêta et tout. Tu me dis si c'est bien ça que t'as fait, Tu mais me l'as je envoyé pense sur que quoi? oui. Sur Discord? Je Ouais. pense ouais, sur Discord en message privé. Ouais, c'est Donc on ça, j'ai la verra. même chose, hein. J'ai la même chose. On est d'accord. Je vais relancer Steam pour voir. Je pense pas que ça change grand-chose. Non, à mon avis. Bah, je sais pas pour ce que ça coûte en temps. Bon, sinon on s'en fait un mais sans le Bruja, mais ça aurait été Bah, c'est un peu dommage. Ouais, c'était l'occasion de tester le important. DLC. Moi j'ai un autre souci, c'est un jeu auquel j'ai joué à Dying Light, je rejoue à Dying Light 2 depuis quelques temps et là depuis aujourd'hui je peux le jeu se lance et il se ferme immédiatement. Et je sais pas pourquoi. Donc j'en suis à 106 heures dessus et maintenant il veut plus jouer. Ah, si t'y joues quand il y a trop de soleil, les zombies meurent, c'est pour ça, non? Ouais, mais Peut-être que tu réessayes la nuit. j'ai même pas le temps de voir s'il y a du soleil ou pas. Non, mais le soleil dehors chez toi, la journée, tu vois. Yo A4 Bah, là, et Yo Le ça va Cid. bientôt être bon, hein. Ça fonctionne pas.
Il y a un souci. Ah, ou alors sinon. Essayer de changer ton artefact éventuellement, du coup, ton Ouais. artefact. Est-ce que ça peut être l'artefact? Est-ce que ça peut être l'artefact qui Ah, déconne? c'est l'artefact bugué. Oh là 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 là. Ah, si ça. Tu l'avais sur ta première partie? T'as Non, je dit? l'avais Parce pas que sur ma première partie. tu viens de le débloquer. Ouais. Donc, des fois que ça soit ça. Hop. Ouais, la bêta branche, ça a pas l'air de fonctionner en multi, en tout cas avec nous. Y a quelqu'un d'autre qui, sur le Discord, qui a l'air de dire que chez eux, ça fonctionnait. Ah, Alors. déjà, il y a un souci, c'est que. Ouais, non, même chose. Normalement, je devais pas voir ces monstres-là. Je devais avoir des squelettes. D'accord, Et pas des derniers. Bon. On va ok. oublier. On peut se faire un. Alors attends, je vais aller chercher les logs. Oui, quand même, pour leur transmettre. On va virer la bêta. Ça Parce marche. que histoire de s'en faire une quand même. Hop. Et puis. Tant qu'on y est. Tac, aucune. Hop, propriété, bêta, repasser en none. Hop, c'est fait. Tu te transformes en nonne? Exactement. J'ai toujours rêvé de porter le voile. Au moins c'est rapide à lancer comme jeu. Et à télécharger. Et à télécharger. Okay. Pas installé, 15 secondes plus tard, installé, c'est bon. Hop, Bon. Quelqu'un tac. que j'ai surveillé. Parce que j'ai Alors déclaré la partie pour me là faire à c'est manger. marrant parce que le Bruja apparaît, mais je vais peut-être les supprimer parce que par contre. Hop. Nouveau percho. Alors, qu'est-ce que je vais jouer du coup? Tiens, qu'est-ce que j'avais Qu'est-ce qui me reste à débloquer? Qu'est-ce qui me reste à débloquer? Quelles sont les classes qui sont complètes? Qu'est-ce que j'ai de complet? Je sais plus. C'est le guerrier que je crois que j'ai de complet. Attends, où est-ce qu'on voit? C'est dans la manache hein, qu'on. Le manac. Oui, c'est dans le manac. Et comment est-ce que tu vois qui. Ah oui, c'est quand t'as Parce encore des que cartes verrouillées. tu regardes le Ouais. nombre de cartes déverrouillées. Bricoleur, j'en ai. Hop. Les guerriers, il est full, je crois. Oui, il me semble que tu nous avais déjà dit que ton guerrier était full la dernière fois. Et je Moi, crois. si ça vous va, je veux bien jouer le bricoleur, mais sinon je peux changer autre Et chose. je Non, crois non, que. moi je vais jouer mage, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Mon mage, il est aussi full. Je crois que j'ai Je toutes les cartes sais en pas si mage. je crois que je l'ai fini le mage ou pas, je Je vais sais jouer plus. voleuse, du coup. Voleuse. Warrior, j'en suis loin. Ouais, le bricoleur, de toute façon, je l'ai fini, donc... Ouais, moi, il me reste de. Et bah, moi, il me reste 4 cartes pour finir le mage, donc je vais jouer mage, là, pour Et ben, essayer de moi, ce finir. sera. Voleuse. Tac. Attends, où est-ce que je Donc, joue? on a voleuse, bricoleur et mage? Ouais. Ok. Hop. Et on se lance en partie normale, ou... Oh, oui, en 12. Ok. Bah, toi, tu t'en vas, moi, je m'en vais. Donc, ce serait bien. Ouais, je vois, j'allais dire Oui. pareil, histoire qu'on la finisse ce soir, Ouais, ce serait ce pas mal. soir, c'est mieux. C'est la dernière partie, on a mis quoi, 4 jours avant de finir par l'abandonner et de se laisser tuer. Ouais, on était arrivé vachement long en mode infini et c'était un peu Tu long rentres une quoi. invite? Ou pas ouf. Ouais, je suis en train de choisir mon artefact et. Qu'est-ce que je vais Moi jouer? comme j'ai encore pas joué le bricoleur, du coup j'ai 0 artefact, Ah c'est oui, plus rapide à d'accord. choisir. Moi j'ai déjà joué le mage mais je vais prendre 0 artefact parce qu'il n'y en a aucun qui me va donc. Tac. Je regarde, hein. Qu'est-ce que j'ai comme carte en. Transforme une En flèche rouge. mage. Hop là. Je crée le salon. Invité. Qu'est-ce que Hop. j'ai comme frise? Et hop. Et hop. Voilà. Pas terrible. Ouh, le joli skin. Ouais. À qui tu dis ça? Bah toi, ton bricoleur, il est mignon. C'est pas un skin de base, Non, je non. enfin, Non, non. mais je sais pas, non, je pense qu'il doit être, il a dû être il y a pas longtemps parce que moi je l'ai aussi celui-là, c'est la première fois que je le voyais donc.
Alors attends, où est-ce que... Je vais chercher les logs. J'ai toujours exactement le même truc de départ par contre. Tu devrais changer le titre du coup sur Twitch, parce que sinon c'est mensonger. Ouais, c'est vrai. C'est quoi, tic tic tac, où est-ce que c'est? OBS. Hop, je vais changer, je vais mettre on teste pas. Je peux mettre des 1 de dégâts sur des trucs. Bah, je peux mettre 1 de dégâts en fait. Moi je fais des 2. Si t'as encore du 1, je prends. Non, j'ai plus de mana malheureusement. Ah. Qu'est-ce qu'il y a personne qui prend de dégâts, c'est bon. Hop. Bah, il y avait toi, mais je t'ai mis un bouclier. D'accord. Je suis un mec sympa. J'aurais pu me le mettre tout seul, mais merci. Ah bah, ça m'aurait arrangé parce que du coup, t'aurais pu mettre un 2 de dégâts sur un zombie, ça aurait été bien. J'aurais pu le finir. Ouais, ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Désolé. Toujours qu'à toi, de toute façon. Salut Mazamara. Bienvenue sur le live, mais le signe l'a dit avant moi. Il faut que tu passes ton tour à l'astre. Pardon, je pensais l'avoir fait, excusez-moi. Il semble qu'il nous l'a déjà fait, ça, là. Hein. Ouais, non, mais ça... Mais tout, ouais, ça m'arrive... Chérie, c'est pas la première fois que je l'entends, celle-là. Hop. Alors, je peux kick, je peux... Ah, tu prends des dégâts. Ah, merde! Je pensais pas que ça toucherait les zombies. Échec. Hop. Allez, dégage. Hop là. Oui, je suis blindé d'armure. Non, mais on s'en fout, on n'a pas besoin. Oui, mais j'ai rien d'autre à jouer. Tu permets, sinon je m'emmerde, j'ai rien à faire. Cette fois-ci, j'ai fait fin de tour. C'est bien. Voilà. C'est propre, c'est net. C'est lavé avec Myrlène. Les gars, c'est nul. C'est nul, mais compétences. C'est chiant. Oh, tu me diras, ça c'est pas mal. Ça, pour ça peut être pas glace. Mal, ça. En protection. Bah, si je vais jouer, de toute façon, je vais jouer Protect, moi. Oui, j'ai chopé des jumelles en plus. Je vais essayer de me spécialiser protection. 5 cartes bleues. Toujours autant de la merde, ce jeu. Tu dis ça parce que t'es en colère. Bon, je dis ça parce que j'ai encore fait une exploration de merde, là. Oui, bah j'essaie, bah bienvenue au club, hein. Classique. Il y en a en général, il y en a 1 sur 3 qui réussit. Pourtant, c'est 50%, mais c'est souvent 1 sur 3 qui réussit. Faites pas vos rageux, les mecs. Ah non, je crois, moi j'ai l'habitude, donc je vais pas. Arroseur automatique. Comme ça. Comme, comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Bah, les deux autres ont... Et en même temps, les deux autres ont perdu chacun une gemme. Moi, j'en ai gagné 3. Comme par hasard. Non, t'en as gagné que 2 du coup. Oui, j'en ai gagné 2. Oui, bah oui, en même temps. Mais c'est nos gemmes. Tu t'es barré voilà. Avec nos gemmes, c'est espèce ça. De connard. C'est la bonne ambiance. On est d'accord qu'on lui file plus aucun bouclier, on le laisse crever, c'est ça? Ouais. Voilà. Moi je suis pour. En plus, il était censé tester un nouveau personnage, finalement on le voit pas, donc moi j'ai. Moi, ah, ça sent l'arnaque là. Ouais, moi je suis pour qu'on le laisse crever en boucle. Je peux ajouter une marque, il y en a 10 PV là. Hop. Non, on a dit qu'il fallait pas lui mettre de bouclier. Ouais, j'ai glissé, chef. Je peux me débrouiller très bien tout seul sur... Tiens, je t'en ai laissé un. Et... Tiens, voilà ta mouche, Merteuil. Merci.
Ça roule, on sera encore à la Mazamara. Enfin, à moins que tu mettes 3 heures à coucher le petit, mais... Oui, bah, oui, non, mais j'étais encore en train de faire des trucs, Ah, c'est pour pardon. ça, j'avais pas du tout oublié. Alors là, c'est pas bon, genre. Franchement. C'est vrai que c'était sympa aussi, cette seigneur-là. Ouais, rien que du sel. Je vais le kick. Hop, tac. Moi, je me. Bah, j'ai même pas besoin de me rondacher, tiens. Hop, tac. Et. Super. Wouhou. On aime le sel. Bon pour les artères. C'est vrai. Boum, d'accord, ok. Tiens, une petite marque. Hop. Bon, en fait, il coûte cher en vie ce compte bricoleur là. Ah oui. En vie. En vis. En vis, ah, mais c'est arriver à trouver l'équilibre. Hein. C'est. Voilà. Je vais taper les deux petits trucs, moi. Vas-y, bah moi je défonce le gros. J'avais pas de dégâts sur cette main-là, de toute façon. Eh ben. Il reste un PV. Les graphismes, de toute façon c'est un jeu qui est cool, hein. Il n'y a pas que les graphismes qui sont cool. Il y a un gameplay qui est... Bah, j'ai zéro dégâts moi. Moi d'abord. Ouais. Il y a... Moi, c'est vraiment un jeu auquel j'apprécie y retourner. Dégâts perforants, allez, voilà. On a dit qu'on faisait des PS, hein. Ouais, donc moi j'ai dit que je faisais plutôt C'est... bloqueur. Je sais pas si c'est ma pépite, mais Non mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et j'ai encore raté. Échange un fiche de dégâts à tous les monstres éloignés. Hein. Oh là là. Oh, ça c'est bon ça. Moi j'ai réussi. Il faut que je garde des sous. Moi j'ai perdu. Et ben voilà, c'est ça. J'ai dit 1 sur 3, chaque fois. Hop là. Allez. Ouais, mais là c'est mérité. Ça doit être ça. Bon, j'ai déjà une carte légendaire. Ça, Ça je me m'en va. fous. Mindset, ça change quoi ça? Ah, fais chier avec son almanach. Ah, ça c'est bien. Ça évolue en quoi, mindset? Grit. Putain, j'ai rien pour augmenter Flèche ma génération de vis, d'éclaireur. c'est compliqué, hein. Ça va venir. Il y a quelques cartes qui sont particulièrement pétées pour Ouais. ça. Donc. Il faut... Ça se débloquera. De prendre ça. Mais oui, ça fait partie de mes pépites, comme tu dis, Akat. C'est vrai que c'est des... Je suis content de Non, l'avoir... c'est un très bon jeu. Ah ouais, le card il est excellent. Hein. Autant Book of Demon est un peu plus discutable. Autant les cartes, c'est un très très bon. Bah, j'en ai beaucoup des pépites, mine de rien. Mais tu es toi-même une pépite, ça. Ouais, Yeah, on se fait défendre depuis tout à l'heure. Bim. Voilà, ça c'est fait. J'ai défoncé tout le monde. Maintenant, oh, bah, très bien. Hop. Tac. Et je fais 5 de dégâts sur lui, par exemple. Ninja. Éventuellement, laissez-moi ce 1 si j'ai la chance de choper un missile Je te les juste. laisse. Il y en a un qui s'est petit suicidé. Plusieurs. Il y en a beaucoup des mecs, hein, faut.
Ah bah non, ça sert à rien parce que j'ai aucun truc de dégâts. C'est pas grave. Il suffit de demander. Hop là. Non, c'est bon, y'a plus besoin de mettre d'armure. Ouais, mais je peux rien faire d'autre en fait. Si, moi je le fais juste parce que ça me donne des cartes de stupeur, donc des cartes de statut. Si je peux le finir. Ah là, putain, ça coûte 2. Ça coûte 2. Ah putain, c'est une arcane super. C'est tellement pété. C'est tellement pété. C'est un Nunchark. Ouais, c'est... Card and draw bah... as many card and gain one mana. Oh putain, c'est bien ça. Ouais, elle tombe à chaque tour parce que j'ai peu de cartes en fait. Shuffle. Annuler la parade, ça peut servir. Il faut en avoir un. Mindset, j'en ai déjà un. Pour tout le monde, mais annule la parade. Allez, un nouvel essai. Raté. Et on a, devant. On a un truc pour pour donner aux copains. J'en suis à 4 sur 4, raté. Ouais, il faudrait que vous m'en redonniez, parce que sinon... 4 sur 4, c'est pas mal. Ouais, mais moi, j'ai quand même bien éliminé des cartes de mon deck, là, plutôt. Okay, moi, je suis à 1 sur 4. Ah, elle a pas lourde au début. Gagner une jambe quand vous chose. Ou deux. Un réussi. Oui, non, c'est moi. Voilà. Je vais prendre la palourde. Hop, et un Magic Bolt en moins. La palourde au niveau 4, c'est très très bien. Ah, j'ai un boss, moi. Ah bah, le prochain, je refais encore un test. Hein. Je pense qu'il y a moyen de faire 5 sur 5. Hein. Bah, techniquement, en termes de probabilité, oui. Sans vouloir faire mon prof de maths, ça se fait. Oui, mais de toute façon, tout se fait. Tout se fait, ouais. Il y aurait 0,00001%, ça peut quand même arriver. Alors, il y a un diablotin qu'il faut faire péter tant qu'il est loin. Je peux le faire. Alors, j'ai une mitraille. Est-ce qu'il y a du zombie? Oui. Il y a un gros... cadavre. Il y a un gros tas et un cochon volant. Alors... Et une araignée corrompue. C'est bon parce que j'ai de quoi me soigner de 5. Oui, c'est moi qui l'ai filé, salaud. Merci. Je veux bien finir celui-là. Hein. Vas-y. Qu'est-ce que je peux piocher en échange? Je fous une marque de mort sur le boss. Tant qu'à faire. C'est lequel le boss? Ah, je suis qu'à 28 PV. Il nous fait des dégâts quand on le tape? Non. Hein. Si. C'est un pourriture. Si, c'est un rotten, donc... Bon, bah c'est chiant. Non bah je peux te bouclier tes ça, hein, c'est pas un souci. Tiens, ah ok, voilà. Bon bah. Voilà, vas-y, fais ta plaise. Si t'as encore un bouclier, je dis pas non. Faut faire gaffe parce qu'il tape de plus en plus fort. Je n'ai pas d'autres boucliers. Bah j'ai plus de mana. Ah, merde. Ce que tu es en train de me dire, c'est que j'aurais pas dû le taper. Mais en même temps, c'est pas grave, tu peux te soigner de 5 de. Non mais j'ai déjà utilisé en fait. Ah oui, ça c'est couillon. Bah c'est couillon, j'avais... Mais attends, c'est 26 mon nombre de PV... Ah merde, c'est vrai que j'ai diminué mon nombre de PV max de 4. Voilà, t'es au max. Couillon. Bah oui, mais... Ah d'accord, tu t'es soigné avant alors que t'avais rien perdu. Si, j'avais perdu. C'était après avoir fait ma mitraille, j'avais perdu 3. Oui, j'ai soigné 5. J'aurais dû attendre. Pas une fonction d'auto-passe quand t'as plus de mana. Ah non, oui, parce que les autres peuvent te replier éventuellement. Oui. Ouais. Ça se rapproche, chef. Bah, et puis quand le boss il va vouloir me taper. Ah, je peux le. Là j'ai que des trucs pour me protéger et pas pour protéger les autres. Si j'ai un coup de pied. T'inquiète pour voir. Mais le coup de pied il sera pas très utile. Je peux pas faire mieux. Ouais, mais moi non plus. J'ai du mal là, avec le bricoleur pour l'instant. C'est un coup. Alors non, en fait, typiquement le bricoleur, une fois que t'as débloqué le premier artefact, ça change quasiment tout parce qu'en fait, tu génères une à trois vies par tour. Ah ouais. Ouais parce que là, en fait, j'ai zéro vie. J'ai trouvé que ma première partie était un peu chiante avec le bricoleur jusqu'à ce que je débloque ça en fait. Ouais, parce que.
Ah, tu ça, peux... ça fait pas tout, mais ça te permet de faire ouais, le démarrage. Le, tu peux le rien faire du tout à l'astre là ? Non, je me suis mis 4 de bouclier, c'est tout ce que je pouvais faire. En fait, le problème, c'est qu'il me faut, il me faut 2 à 4 vis par sort. Comment ? Et en fait, ça me coûte 1 de mana de générer une vis. Il faut que j'ai la carte. Donc, Parce que moi, je peux me mettre de l'armure, mais c'est tout quoi. Non, non, mais je vais prendre cher, c'est pas grave. Hein. Après, j'ai une carte pour filer du soin à tout à chaque combat, donc... Oui. Je peux te filer 10 de bouclier, mais moi, ça veut dire que moi, je vais prendre cher, du coup. Et là, j'ai que de quoi faire du dégât. Ah, c'est bon, j'ai viré le boss. Mmh. Déjà, c'est déjà un peu mieux en termes de dégâts. Là, j'attends, parce que moi, je peux faire un tout petit peu de dégâts, mais ça ira pas chercher très loin. Si je peux éventuellement... Ouais, mais ça va me coûter... Ça va me coûter tout mon mana. Je peux rien faire de plus. Ouais. Mais c'est bon, moi, je peux te bouclier, okay. C'est bon. Voilà. Ouf. Arcane support, c'est chiant. Ah bah oui. C'est quoi ton... gagner 2 de parade chaque fois. Ouais, c'est un peu similaire à ce que j'ai moi. C'est-à-dire ? Bah moi j'ai un truc qui me donne 2 de parade à chaque fois que je joue une flèche. Ah oui, donc c'est à chaque fois que je chope un effet de statue. Le problème c'est que les effets de statue... Voilà, j'ai gagné 2 de bouclier, je suis content. Enfin, alors... si, parce que là typiquement je peux reshuffle, donc c'est bon. J'ai une comète qui est pas trop dégueu. Putain, ils ont de l'armure en plus. Je vais faire une mitraille là. Hop. Fait. Ah. Voilà. C'est plus propre déjà. Oui. Et le problème, c'est qu'ils ont toujours de l'armure. Ouais. Moi, j'ai plus de mana. C'est dommage parce que j'avais une prise de judo. Et ça. Tu aurais fait un peu de dégâts. Ils ont moins d'armure. Peut-être suffisant. Peut-être pas. Tu peux achever celui à 1 si tu veux. Bah ça fera toujours ça de moins en dégâts. Bah c'est bon. C'est géré. C'est cool que je puisse améliorer des cartes, mais pour ça il faut des gemmes. Et mes gemmes globalement pour l'instant j'en ai perdu 4. Donc Ouais, si tu fais pas d'efforts aussi. Ah ouais, mais je sais, bon, j'ai plus envie de faire d'efforts. Je refous une deuxième marque sur le boss. Je lui fous un coup de pied et je laisse Matt de... Ah mais non, parce que... Il chie avec son Rotten, là. Eh ben oui. Attends, si c'est juste le Rotten, tiens, voilà. Merci. Et en plus, du coup, je vais me rajouter. Voilà. Il y a 4 qui se foutent ta gueule, éternel. Il a dit encore. Il dit que t'es chaque fois à cause de ses charges. T'inquiète pas, il y aura revanche. On galère un peu là. Oui. Bah en fait c'est parce que vous êtes à deux, vous jouez à deux en fait. Moi je fais rien. Bah, le truc c'est que moi je fais pas grand chose en termes de dégâts. Et le truc c'est que le boss en fait arrête pas de faire des invoques. Je fais du bouclier, mais c'est à peu près tout ce que je suis capable Si on arrive... Ah, j'ai encore une mitraille. Tac. Ouais, parce que attends, là, qu'est-ce que je vais me prendre? Je vais me prendre 2 de dégâts. Hop, c'est bon, je ne vais pas me prendre 2 dégâts. Il reste 2 PV au boss. Ouais, mais j'ai pas de dégâts, moi. Non, mais c'est bon, il se déplace. On pourra le tuer au prochain tour. Voilà. J'ai un coup de pied qui change pas grand chose. Oui, ça l'empêche de se buffer. Je peux. Tac. Annuler son armure, mais à mon avis, c'est plus très utile. Bah. Qui est-ce qui a encore beaucoup de PV? Pas grand monde. Et là j'ai plus le judo. Tiens.
Bim. Judo. Hop, dommage. Hop. Voilà. Il a plus de. De bouclier. Hop là. Oh, et un petit tir de barrage. Ah, ça c'est bien. Oh, c'est bon ça aussi. Réinvigorette. Je vais juste manquer de vie, mais. De mana. Et... Ah, j'ai une carte légendaire là. 10 de dégâts à un monstre marqué, si celle tue, transfère la marque à un autre monstre aléatoire. Merci Akat, des bisous. Ouais, c'est pas mal. Ça s'améliore comment? C'est quoi c'est? Ouais mais non, je suis parti en équilibre support, parfait. Je suis parti en support. Équilibre parfait. Et on est à 5 sur 5. Putain, c'est hallucinant. Coup de manger. Et ben voilà. Ah ben en plus il me propose de l'upgrade directement. Hop, nickel. Et ben voilà. Le coup de manchette qui va me donner les flèches qui stun. Les flèches qui stun. C'est un peu fumé ça je trouve cette compétence. Le petit son de verre. Boss pour moi. Et j'imagine aussi pour le Tinkerer. Ah, j'ai reperdu. Ouais. Est-ce que je me supprime les cartes? Ah, j'en suis quand même, ouais, un petit 5 sur 5, là, on est quand même pas mal. Est-ce que je me supprimerai pas? La stat commence à descendre, là. Oh, fais chier. Ouais. Tac. Ça c'est bien. Tac. Deux boss. Ah, de nouveau le gros pourrisseux. On compte sur tes flèches étourdissantes. J'en ai une par tour. Je pense que tu peux mieux faire. Je mets une marque sur le boss tout de suite. Je peux donner du mana à quelqu'un qui n'en veut. Moi, j'en ai pas spécialement besoin. Si, je sais pas, j'sais pas pour éternel. Normalement, t'as eu 2 de mana. En tout cas, c'est ce qui était écrit sur ma carte. Mais... On l'entend plus. Ah, pardon, j'avais le micro relevé. Ah oui. Oui, c'est bon, effectivement, j'étais à 1 sur mon table. Là, actuellement, je prends 1, mais c'est pas grave, j'ai du soin. Hop. Ah, dommage. Si j'avais su, j'aurais tiré. Ah, pardon. Ça va picoter, ouais. Je peux l'étourdir le... Ouf, bah moi je peux le... virer. Alors... Je peux faire plein de dégâts. T'as pas de mana là, pour le coup. Parce que ça serait bien. Non, c'était bah, le tour d'avant. C'est un tour sur deux. C'est vraiment dommage, parce que là j'ai besoin de 4 de mana. Et j'en ai que 3. Bah oui, mais... Qu'est-ce que je vais... Je m'appauvre lui 7. Ouais non, là ça me fait faire quoi? Le truc c'est qu'il y a beaucoup plus de monstres qui attaquent que de monstres qui ont prévu de bouger là. Ouais, c'est dommage. Bah sinon je mitraille. Attends, est-ce qu'il y en a un qui a de l'armure? Oui. Donc je vais faire ça. Le coup de manchette. Je peux virer l'armure sur lui. Ouais, je vais prendre cher. Vache. Moi j'ai une rune. Attends, mais je te mets 10 de bouclier, parce que là, ça arrive. Ok, je veux bien, merci. Parce que là, je vais prendre cher. Wow, ça va. Nickel. Et t'as, il reste des monstres 1. Mais non. Oui, mais j'ai plus qu'une seule carte de dégâts. C'est parti en support, mais c'est pas grave, j'ai un heal, donc je vais pouvoir me remonter, ça c'est pas très grave.
Et surtout à partir de maintenant, j'ai un mana en plus et une carte en plus par tour. Donc, peut-être faciliter un peu le jeu. Alors, sauf évidemment, je peux prendre des stupeurs. Flèche assommante. Alors, ah, merci pour la. Merci pour la def. Je suis parti pour faire que ça. Donc. Hop. Ah là, je fais 13 de dégâts au boss. C'est pas mal ça. Mais ensuite, j'ai plus de mana. Sinon, j'ai une mitraille encore. C'est peut-être mieux. Hein. On fait une mitraille, ouais. Ouais, ça va. Sauf que c'est au cac qui font du dégât, c'est pas à distance. Hein, mais... Le cas échéant, hop, je me rajoute deux de boubou et puis c'est fini. Je me prendrai trois de dégâts. Pire. Je suis sûr que ça va piquer. Normalement, je dois avoir mon coup de pied, je pense. Ah non, il invoque en plus. Mais j'ai bien mon coup de pied. Je vais lui remettre une deuxième marque, le cas échéant. Attends. Alors, attends. Hop. Du coup, j'ai mon heal. Ouais, je vais quand même le repousser. Hein. Hop là. C'est con, j'aurais pu lui mettre une marque avant. Sauf que ça inflige pas de dégâts de repousser, mais. Non, mais bon. Hop. Ouais, mais sans générer de vis, hein, j'ai vraiment du mal avec le bricoleur. Hein. Ah bah non, c'est très compliqué. Dès que tu vas débloquer l'artefact, ça change un peu la vie, parce que t'es au moins t'assuré d'avoir au moins une vis par tour, quoi. Donc, Les vis, ça change la vie. Voilà, je voulais pas la faire. Bah oui, mais écoute, c'est tu me connais, je tiens. Soyons sérieux. Ouais. Non. Est-ce que tu veux du mana? Moi, je dis pas non. Bah, file-le à Galden plutôt. Moi, j'ai de quoi mettre un peu de bouclier sur tout le monde, mais il faut défoncer le Puffy Corpse. Hein. Il va mourir. Bah, attends, c'est bon, du coup, je peux le faire. Non, mais c'est bon, laisse. Okay, tu fais, ok. Je mitraille. Oui, j'aurais peut-être pu te mettre un peu de bouclier avant, mais. Ouais, mais c'est pas grave. Bon. Ouais, mais c'est un bonhomme. Ça, c'est ça. Qu'est-ce qui reste Ouais, puis je vais lui faire ses deux de dégâts dans sa tronche. J'ai même la possibilité de me faire. Ah, mais c'est le boss là en fait. Oui. Ouais. Deuxième boss. Hop là. Oh, l'armure. Je peux lui enlever son armure. C'est fait. Et je peux lui mettre une marque. Et je peux. Ouais, puis il nous blinde d'invocation, quoi. Bah oui, à chaque fois qu'il prend des dégâts, donc. Allez, 2 PV. Enfin, il suffit de lui en infliger un, techniquement. Dame, il va pas faire du dégât. Ah, t'as une belle flèche assommante, là. Ouais. Allez, c'est, allez, ouais, c'est... Je te rassure, je fous pas grand chose non plus, moi. Ouais, j'ai aussi une belle mitraille. Hop, suivi d'une belle flèche assommante. Et un tir. Hop. Et encore, putain, j'ai du bol sur les légendaires. Oui, pareil, j'en ai deux là, mais. Mais tout ça, ça demande de la mana. Il y en a aucune qui me... Oh putain, on a encore chopé des trucs qui permettent de choper des gemmes, quoi.
Oui, bah, comme ça je peux faire mon 6 sur 6. Ah, ça va peut-être même un 7 sur 7. Ah, j'ai gagné. Ah, voilà. Voilà. J'ai un 6 sur 7. Pareil, 6 sur 7. Ticket doré. Les options des prochains sites de votre parcours coûteront seulement une gemme. C'est ouf. Ah, hein. Les options des prochains sites. Ah, de mon parcours, d'accord. Oui, de ton parcours. Encore. C'est pété quand même. Bah, moi, je vais. Un coup de deux, ça. Oh là là. Ouais, mais faut que je mette le Midnight Hall en main de départ, ça. J'ai pas le choix. C'est trop important. Non, remove, non, moi, faut que j'ai quelque chose qui me. Attends. Quelque chose pour améliorer les cartes, putain. Si vous avez des forgerons, je suis preneur. Non, moi j'ai soit d'huile, enfin, soit. J'en ai un au niveau 7, mais j'en ai que deux forgerons sur mon parcours. Moi j'en aurai au niveau 7. Bon, je vais prendre un camp. Ça va servir de récupérer quelques points de vie de toute façon. Vu qu'il en manque un petit peu. J'ai pas regardé qui était le boss. J'ai pas regardé non plus. Beaucoup de rotten, hein. Oui, ça, ça va pas être très bon pour moi. On a 3 puis. Ça va roter. Voilà, voilà, voilà. Alors, là pour le coup. Je mettais juste mon buff. Le tir de barrage. Est-ce que tu veux du mana? Oui, je veux bien du mana. Parce que là. Si tu veux que je mette des boucliers avant que tu prennes des. Que tu agis des dégâts. Non, parce que là, l'avantage, c'est que je fais que du one shot. Je peux refaire une mitraille, mais j'ai deux rondaches. Moi, si t'as du bouclier que tu sais pas quoi en faire, non. Je veux bien parce que je peux le convertir en vis. Le bouclier, c'est que pour moi. Ouais, moi j'ai balancé tout ce que je pouvais là avec mon buff, ça m'a coûté 2 de mana donc. Ok. À partir du prochain tour, je pourrais un peu, mais plus mana. Je vais prendre cher. Vous embêtez pas à mettre de bouclier à moi, hein. J'ai la carte de soin. Donc. Je vais prendre cher. 4. Ouais, il y a un campement à ce niveau là donc. Ouais mais du coup je joue pas ma mitraille, c'est un peu con. Mais en même temps la mitraille m'aurait fait prendre très cher. Ils ont mis un exhaust, c'est gentil, ils mettent des statues dans mon deck. Moi ils mettent de l'empoisonnement. Ah ça c'est moins cool. Je sais pas ce que ça fait mais ça a l'air moins cool. Yeah. Allez, dégage. J'ai 3 de boubou. Vous pouvez rajouter du boubou ou pas? Sur qui? Non. Sur toi? Sur moi, oui. Tiens. Il faudrait focus le gros là qui nous tire dessus. Moi, j'ai rien pour focus du tout. J'ai plus rien du tout. Ah, j'avais pas vu les 7 d'affaiblissement, hein. Merci le signe. Ça prend cher à la. Ouais. Mais heureusement qu'il y a un campement. Heureusement qu'il y a un campement pour chaque tour. Plus que 14 PV. Je finis le gros. Chômage brille. Là, je, y peux en a... finir le... je peux finir le chaman. Hein. Bah vas-y. Le problème c'est que là j'ai plus de mana. Lui je peux le tuer. Tu peux pas kick ou débarrasser de l'arc Arachnoleton? Non. Ah, ou sinon je leur ferai un autre coup de manchette. Pour faire deux. Ouais, ce sera peut-être mieux. Bon, tu me casses les mains. Est-ce que tu peux. Est-ce que tu. Comment, ouais. 6 d'armure.
Je te mets beaucoup plus en armure si t'as besoin. Ouais, je veux bien. Je vais mitrailler du coup. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait autant de dégâts, mais je les ai fait. Bon, ok. Hop. On les dingue. Tu fais autant de dégâts parce que tu as généré les flèches selon plus de flèches fendues. Ouais. Ah, ça peut être pas mal ça, Grit. Ah bah c'est ça que je voulais. Flèche serre. Ah, le mitraille scale avec le nombre de flèches dans le deck. Ok. Les deux sont bien, mais... Tenez tous les rois. Ça, je m'en fous. Exchange shuffle pour une Ça, boîte. c'est bien, mais ça, c'est bien aussi. J'ai pas besoin de l'avoir deux fois. Faut que je fasse du dégât. Hein. Magic marker, je m'en fous. Shuffle pour inferno, je m'en fous. Méditation et... Alors, plus 5 PV, je prends. Ben, je vais même Corp 6, je vais rien prendre sur celui de Gaelden. Échange prise de judo contre Bim, mais c'est naze. Contre le... Ah, ça c'est bien. Octroi de la parade à hauteur du nombre de flèches dans la pioche, pour 0. C'est bien. Oui. Échange 4 dégâts. 3 flèches métalliques supérieures. Ouais, si je vais quand même prendre le Magic Marker, ça peut être bien de rajouter de la marque. Forgeron. J'ai encore un petit peu de. Ouais, déplacer le monstre à distance au plan. Oh bah ouais, pourquoi on va essayer d'en profiter. Ouais, je sais. Je me suis dit la même chose, le signe. On devrait pouvoir upgrade 2 cartes, 3, peut-être 4. 4, je l'ai pris aussi. Ouais, donc c'est ça. C'est 3 pour augmenter 2 cartes. Donc avec ça, je peux en augmenter 4. Peut-être commencer à faire des trucs. C'est bien. Mais t'auras les gemmes pour le faire. Ah oui, ah, t'en as 5. Donc avec celle-là, je vais monter à 6. Normalement, c'est bon, je pourrais tout. Allure. J'ai un tir de barrage. Qui fait 12 de dégâts à tous ceux qui se déplacent. Moi j'ai plus de mana donc ça résout le problème. Ok. Mais les 12 voilà. De hop. Je retourne faire mes œufs. Tu retournes faire tes quoi? Mes œufs. J'ai toujours pas mangé. Ah on a enchaîné le tournoi avec une partie de Elgard et du coup j'ai pas eu le temps de bouffer. Hop. Coup de manchette hein. J'aime pas les invocateurs. Éternel, il y a le signe qui te dit qu'il fallait que tu fasses à manger. Il fallait que tu manges quand Aka te faisait à manger. Oui, mais en fait, le truc, c'est que j'avais commencé, mais il est arrivé plus tôt prévu. Il m'avait dit 20h30 et on attaquait à 20h10. Donc. Il n'y a pas de zomblard là, j'ai l'impression. Je m'a fait prendre autant. Il est arrivé trop tôt. Donc c'est la faute à Aka. Hop, voilà, j'aime comme je ne prends pas de dégâts. Qui c'est qui va se prendre 5 dans la tronche? C'est toi. Et une petite marque de mort sur toi. Tac. Ah, j'ai encore une mana. Ouh là là. Ça ne sert plus à rien, c'est con. Éternel, faut que tu passes. J'arrive, j'ai pas encore commencé à jouer. J'arrive. Heureusement que ta cuisine est pas loin de ton bureau. Oui, c'est déjà les mecs qui passent pas leur tour, franchement, moi je trouve ça casse-couille. Ah, tu m'étonnes. Hop. Alors, il y a déjà des marques et on va en rajouter 2. Voilà.
l'air du monstre, du mort normalement. Je pense que je peux tuer tout le monde rien qu'à la pioche. Non ? Ah, pas tout à fait. Bah, en même temps, il reste plus grand monde. Hein. Et moi qui ai eu celui-là. Et celui-là aussi. Ah non, putain, mais ça, je l'ai déjà. Merde. Attendez. Ça, je m'en fous. Oh ah, là là. Ça, je l'ai déjà aussi. Bon, ben hop, skip reward. Ah, moi, je peux. Allez! Ah non, c'est selected carte. Ah, c'est une seule carte. Moi, je peux pas passer pour le coup. Je vais prendre ça. Merde. Ah, j'ai réussi. Wouhou. On en a 2 sur 8. Moi, j'en suis à 1 sur 8. Et ben, on va augmenter un skill. Et ben, moi, c'est pas terrible non plus, globalement. Mais... Alors, selected carte to transform. Ah, putain, chier. Pourquoi est-ce qu'il me propose pas? Il me met pas les... ce que ça me fait. Une fois que t'as cliqué, c'est trop tard pour, Ouais. Pour le premier, quand c'est une carte aléatoire. Non. Là, c'est une carte choisie dans tous mes skills. Donc, dans ce cas-là, c'est tu peux revenir en arrière. D'accord. Ça fait quoi? Ouais, celui-là est pas mal. Je vais faire mon bourgeois. Ouais, ça, c'est pas terrible. Ah bah oui, du coup, je peux choper un deuxième coup de manchette. C'est bien, mais ça va m'enlever. Je mortel. Ça peut pas mal. Oui, ça reste le ticket doré. Non, mais c'est très très bien. Bah, ça te coûte 4 points de vie max quand même. Donc c'est pas non plus tout à fait anodin. Ça, je m'en fous. Mental Wall non plus. Dans votre deck. Alors, Iron Will. Ouais. Coup de manchette, c'est tellement bon que là. Et on va supprimer des cartes. Yes. Ah, il y a un boss avec l'astre. Qui est un peu en déche de cartes, de gemmes aussi. Hein. Bah, j'ai fait 8 fois le truc qui donne 3 gemmes. Je l'ai réussi une fois donc. Ah oui. J'ai réussi à passer devant. J'en suis à 2 moi. C'est. On va faire celui-là, il peut changer le cours de la partie. On est en mode pas de bol. Random quoi. Card. Ouais, puis j'ai pas vraiment. Ah voilà, j'ai l'impression que je peux pas jouer mon perso. Enfin, c'est pas. Ouais. J'ai ma première run avec le bricoleur, c'était vraiment pas fou. Je vous cache pas que c'est pas super fun que ça. Voilà. je sais bien. Mais je le fais. D'ailleurs, je ne me plains pas trop. On t'entend peu. Nous apprécions ta dévotion. Ta déviosité. Non, peut-être pas ta déviance non plus. Ta dévotion. Alors, à la fin du tour, un œuf d'araignée apparaît. Pour chaque monstre tué ce tour-ci. Et le dévoreur. Ok. Alors, j'ai tir de barrage qui fait assez mal. Il fait assez mal. J'ai une carte qui peut faire piocher 5 cartes et filer 2 de mana à tout le monde. Donc. Moi, je veux bien. Mais non, je sais pas si je l'ai pioché ou pas, je suis pas devant mon écran. Je veux bien parce que... Ouais, là, j'ai 4 XP... 4... Et je ne l'ai pas. Raté. C'était une fausse voix, désolé. Parce que la mitraille sera moins efficace. Donc... Non, je vais faire le tir de barrage. Qu'est-ce qui prend des dégâts? C'est... Ouais, mais je peux rien faire pour toi. C'est pas grave, t'inquiète. Je devrais y survivre. Transfusion... Ah oui, du coup le dévoreur a bien mangé. Bon appétit. Ouf. Ouais, je vais pouvoir l'assommer. Mais je vais... Oui. Ouais. Alors, je peux donner un mana ou faire piocher une carte à quelqu'un. Enfin, et faire piocher une carte à quelqu'un s'il faut. Moi j'ai 1, 2... Je peux utiliser 4 de mana.
Donne-lui. Hop. Du coup, je mets ça. Ah merde. Il va y prendre cher. Qu'est-ce qui. Ah oui, c'est le gros là qui fait du. Ouais, je vais faire là. Qu'est-ce qui m'inflige 5 en... Ah, c'est. Qu'est-ce qui me inflige 5 Alors, 5 je peux donner 5. Ah non, ah, c'est 5 mana et 2 cartes à tout le monde. Tu donnes 5 mana et 2 cartes à tout le monde? Là, je peux donner 5 mana et 2 cartes à tout le monde. Bah, vas-y, hein. C'est une fois, mais. Bon, j'ai tué le gros chieur là. Est-ce que quelqu'un veut du mana? Non. Ah, c'est pas suffisant. Mais moi j'ai une carte qui donne du mana. T'en veux toi? T'en as besoin? Et il me reste 5. Moi, j'ai... Il me reste 5, j'ai plus de cartes. C'est un peu con. C'est pour ça que j'étais pas certain que c'était intéressant de la cloquer maintenant, mais bon. Bah si, ça m'a permis quand même de défoncer le gros. D'accord. Bon, j'annonce que j'assomme gros patapouf, le dévoreur. Bah toi, il sera peut-être déjà assommé avec mes pièges. Ah oui, ok. Non. Ou pas. Si, c'est bon. Si. Pourquoi ma flèche assommante... Je lui ai rajouté 2 marques de nouveau. Ma flèche assommante me coûte 2, je sais pas pourquoi. Me coûte 1 de mana. Hop, allez, dégage. Faut faire gaffe de pas trop pas moche, enfin de pas juste amocher en fait. On est, parce que en dessous de 10. Bah, de toute façon, c'est pas pour le nombre de dégâts que je fais. Il me reste une carte de dégâts dans le deck. Donc... Ah, 2, pardon. Alors, tir de barrage, est-ce que ça vaut le coup? Pouf. Hop. Est-ce que quelqu'un peut terminer l'œuf d'araignée? Ouais. Ouais. Voilà. Non, bah... Ah non, c'est... oui, non, c'est... Je vais parler de... Après que je l'ai démage, mais c'est pas grave. Ah! Faut préciser. Ouais, c'était pas clair. Oui, non, oui, je conçois. Hop. Fini. Ah, il a dévoré. Ça ouais, mais. Ça commence à piquer là. Ouais. Bon, ça commençait déjà pas mal à piquer. Bon, même... ensuite. Bah, j'ai... Non, tant qu'il tape pas, ça commence pas à piquer. Oui. Non mais en même temps il va pas piquer longtemps. Hop. Quelqu'un veut du mana? Pas moi, pas besoin. De faire piocher des cartes éventuellement. Attends, ceci dit, je prends quand même un peu de dégâts. Non mais ça t'inquiète pas pour ça, je peux te bouclier. Mais... Fais gaffe que toi aussi t'en prends des dégâts. Oui mais moi je vais me faire piocher, je peux faire gagner du mana aussi donc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de mana ou pas? Moi j'en ai encore 3 donc. Il reste 1 PV au boss. Il y a plus de boss. Bien. Oh, le est-ce que quelqu'un a besoin d'un point de non. Mana? Non, merci. Non, j'ai plus de cartes. Bah, je vais redraw. Ah, essaye de te protéger. Histoire de. Rien pour me protéger. Ah, Non, ce qu'elle m'inflige 6 et j'ai pas de quoi la tuer. Je peux mettre une marque sur le boss. Bah vas-y, hein. Ah non, c'est random, donc c'est pas moi qui choisis. Oh bah. Raté. C'est con parce qu'elle va se booster encore là. Non.
Si, si, la... Oui, oui la succube. La vampirette. Bah, mais j'ai pas pioché de bouclier pour une fois. Ouf. Oui, il faudrait pouvoir tuer l'autre. Mitraille. Je fais combien là? Beaucoup. De temps en temps, ah, ça c'est bien. Et ça, j'en ai déjà un. Ça sert à rien de l'avoir une deuxième fois. Le double, ouf, putain, j'ai hâte 5 marques. Ça c'est pas mal. Un truc qui donne un point de mana à tous au prochain tour. Hop, allez, on dégage ça. Dang. Allez, une neuvième de raté. Ouais, j'en suis 4-2 sur 9 de réussi. T'as perdu une huitième de raté. 1 sur 9. Est-ce que je m'enlèverais? Parce qu'en fait, retranchement, c'est pas si bien que ça. Et la flèche on est assez... étage 8 là. Qui reste quoi? Bon, il nous reste 3 étages avant le boss. Ouais. Allez, je vous dis une destination. C'est qui le boss? C'est le l'archiprêtre. Non, le cuisinier, pardon. Ça, cuisinier. Ah, c'est celui qui peut pas prendre trop de dégâts, c'est ça? C'est hein ça, ouais. Au début, en tout cas. Ouais, il nous file de la viande qu'on peut. Ouais, je me souviens. Ok. Alors, j'ai... Si je peux avoir un de mana, je suis content. Bah, tu commences avec 3, non? Toujours ces petites phrases un peu assassines. Moi, je vais prendre cher, là. Je vais pas pouvoir faire grand-chose pour te... Moi aussi, je vais rien cher faire pour vous aider. Si, enfin, à part un tir de barrage. Mais le tir de barrage, par essence... Tu peux pas filer de mana, là, par exemple? Moi, pas du tout, non. Au prochain tour, vous aurez un de plus. Donc, c'est soit j'inflige... Et... Bah, soit... toi aussi, tu prends cher, là. Moi, je prends cher, bah oui. Soit j'inflige 4, Parce que je peux infliger 3 points de dégâts en zone, mais ça sera pas suffisant pour enlever quoi que ce soit. Moi, je peux faire un 5 sur quelqu'un, mais... Non, y a pas moyen d'enlever qui que ce soit, là, donc... Bah, je vais déjà faire 5 là. Et puis. 2 points de mana, 2 points d'armure, c'est tout ce que je peux faire. Et puis, bah, je vais faire ça. Hein. Oui, c'est bon, j'ai compris. C'est quoi qui me file là? Congelé au début de... Répartissez les compteurs d'influence entre les cartes en main. Ah merde, une carte qui va coûter plus un de mana. Plus un de mana. Ah bah c'était, ça devait être ça qui m'avait... Alors c'est bon, je peux filer 5 points de mana et 2 cartes à tout le monde. Moi j'ai pas forcément besoin, mais ensuite... Non, bah je peux le garder, c'est une carte qui s'utilise qu'une seule fois, donc... Moi j'aimerais bien, mais enfin... Non, mais je vais le faire, c'est... moi ça pourra peut-être me permettre de piocher des trucs intéressants. Donc... Vas-y, vas-y. Envoie. Bah c'est bon, du coup ça me fait une mitraille. Je peux faire une marque, est-ce que... Est-ce que ce sera... Oh putain, je prends 42 de dégâts. Non, tu prendras pas 42 de non, dégâts. Non, je prendrai pas 42 de dégâts. J'ai une mitraille, hein, attendez. Avant de... Vas-y, vas-y. Parce que moi, là, potentiellement, une fois que je peux nous doubler le bouclier de tout le monde, donc... Là, tu prends toujours 42 de dégâts. Hein. Je prends toujours 42 de dégâts, je prends plus 42 de dégâts. Ah, tu prends plus que 18 de dégâts. Bah alors, donc c'est bon, tu prendras plus de dégâts. Ouais. Hop, voilà. Non, et puis j'ai encore une flèche assommante, hein, mais... Bah éventuellement, si tu peux aller défoncer de la succube, ça je veux bien. Je vais faire 15 de dégâts aux 3 ennemis les plus proches, moi. Ok, bah... Attends, je peux enlever de l'armure. Tu vois qu'il commence à faire quelque chose ? Tiens. Ouais. Ah oui, et ça t'utilise des vies.
J'ai récupéré quelques cartes qui m'en donnent des vis, donc ouais. Ça va. Non, c'est, en fait, c'est, tu vois, tu finis par récupérer des cartes au bout d'un moment ou à les améliorer, mais c'est le démarrage qui est. Tu le fais du coup à l'astre ou pas? Ah, mais c'est un truc, c'est à la fin du tour. Ah, c'est à la fin du tour des monstres. D'accord. Donc, qui est-ce? Ah, à la fin du tour des monstres. Oui. Ah oui, des monstres, ok, je crois que c'était à la fin de notre tour à nouveau. Okay. Non, non, c'est pour ça, ça fait du nettoyage au début de notre tour, mais bah, ça empêche pas les monstres de taper. Bah, c'est 8 PV quand même. Et c'est boss, mini-boss au prochain tour. Oui, et t'auras un point il de... Il faut passer ton tour à l'astre. Au moins au prochain tour. Mais non, il a encore des 4 mana, c'est pour ça qu'il... Ouais, mais j'ai plus de cartes, j'ai... Encore une fois, je croyais l'avoir fait, je... C'est très grave. Quand tu t'ennuies, on sait ce que c'est. Non, c'est même pas que je m'ennuie, c'est que, en fait, quand j'ai plus rien à faire, je suis sûr de l'avoir fait, et en fait, non. Mitraille. Bon, déjà, je vais me soigner. Y'a pas de boss, là. Bon. Ah, fais pas chier. Toi, tu te soigneras pas. Toi, tu perds ton armure. J'ai un point de mana à donner s'il y a besoin. Non. Il m'en faudrait deux. Ah, putain, gourmand tout de suite là. Ouais, je suis comme ça, je suis gourmand. Boum. Voilà. Hop. Bouf. Bon, on va marquer. Hey, une défaite de plus. On en est à 2 sur 10. Pour qui que quoi? Pour les shrines, pour les explorations. Ah. Pareil, je suis à 2 sur 10 aussi. Ah, c'est bon. On s'est rattrapé. Influence card, qu'est-ce que j'ai? Mindset. Ah, grit, ça pourrait être pas mal, ça. Ouais, j'ai peut-être bien prendre ça. Parce que bisous le signe. Merci. J'ai quoi? J'ai 5... Eh ben moi, ceci dit, j'ai aussi, je pense que je suis largement en dessous des 50%. Je vous file une gemme à chacun. Mes compétences. Ouf. Hey, et c'est le raid de la team 119. Salut Ardarine, ouais. J'imagine. Bonjour la team 119. Merci pour le raid. Annuler la parade de tous les monstres. Est-ce que c'est intéressant d'annuler la parade de tous les monstres? Oui. Bah, peu. Ça peut toujours servir. Si on se tape beaucoup d'araignées, oui. Eh bien, je pourrais annuler... Bonsoir, ce BK. Juste que t'es la carte au bon tour, quoi. C'est ça. Allez, bon. On va tenter encore un exploration au prochain tour. Deux explorations au prochain tour. Les mecs, c'est des ouf, quoi. Pour c'est monter des... à 12. C'est des ouf de l'exploration. Eh, hey, bah attends, si on y arrive, on sera content, parce qu'au dernier tour, on aura 8 gemmes qu'on pourra pas dépenser. Alors, c'est qui mon Ludurak qui pond des œufs? T'es remonté à autant de points de vie, toi, à l'Ast? Ouais, moi Je me suis soigné au dernier feu de camp et j'en ai pas reperdu depuis. Elle est très très bien la DA de ce jeu là, Sobeka. Je peux virer toute l'armure, ça tombe bien, ils en ont pas beaucoup. Si, ils en ont un peu. Ah si, parce que je peux faire. Ah, c'est con, il faudrait que je fasse. Parce ouais, si tu fais d'abord... ouais, mais si tu fais d'abord la mitraille, les mecs ont 5 d'armure, ça leur fera rien quoi. Et bah, vous... à la limite, vous. Attends, sauf que. Non, parce que j'ai mes 3 points de mana, je peux les utiliser comme ça. Je fais mes 2 coups de manchette et la mitraille. Tac. Donc attendez avant de. Hop. Moi, je peux donner 10 de bouclier à quelqu'un.
Bah moi je suis j'ai 13 PV, je vais prendre 3. Pas de soucis. Moi je prends rien donc. Mais Et ouais. comme ça, je peux en mettre un de plus en plus sur Voilà. Blast. Comme ça, il n'y a plus que deux. La DA du jeu est. Elle est excellente. Et le jeu est excellent. Si vous connaissez pas. Et je devais. C'est gratuit comme jeu ou pas, non? Non, c'est pas gratuit. Non. Non, c'était l'Early Access qui était gratuit. Je crois pas, non. Il me semblait qu'on pouvait jouer gratuitement au début, je sais plus. Ça me dit rien, moi. Non, non, après, mais. moi j'avais acheté le Game Pass de la boîte. Oh putain. 60! Ah ouais! Bon, là je vais peut-être faire donner de la mana et faire draw là parce Alors je peux faire. Non, bah tir de barrage, ça va pas servir à grand chose là. Je veux bien la mana et le draw. Ouais. Ceci dit, moi je peux faire les flèches. Bah, il va falloir là parce que moi Mais je vais prendre un petit peu là. je peux en faire que deux. Hein. Ah, ça peut suffire. Pas tout de suite là, mais ça pourrait sinon. Non, tu prends plus que Mieux. 10. Mais toi, c'est bon, tu mourras pas. Par contre, ouais, Alastia il va prendre 25 là. Pourquoi je vais pas mourir? Parce que au pire, j'ai 10 de bouclier, je peux doubler le bouclier de tout le monde, mais. Eh ben Mais je vais l'idéal, stun ce serait. du côté d'Alastre alors. Éventuellement, stun du côté d'Alastia, comme ça, si lui il prend plus grand chose, au pire, je lui filerai 2. Ouais, il prendra déjà un peu moins, il prendra plus que 8 dégâts. J'ai un anti-tir de barrage du coup ça va plus être très utile. Tiens là je peux. Ah putain je peux virer 4 PV. T'es sérieux? Sinon je peux marquer. Ah bah Attends. non, si tu veux virer 4 PV, moi j'ai un truc pour en infliger 3. Hein. Ok. Donc Ouais, ça va me faire moins de dégâts. Hop. Oui, bah de fait, dans ce cas-là, je vais le claquer sur Alast. Hop. Et Ouais. donc du coup, voilà, moi je prends 2 points de dégâts, toi t'en prends 1. Et attends, je peux. En plus je peux kick lui. Non, c'est pas marquage que je voulais Bah faire. qu'ils en chèrent un chez moi du coup. C'est toi tu prenais que 1, mais. Ah pardon. Je sais pas grave. Je vais Tu marquer le prendras à vouloir aider boss. les autres, de toute façon. Ça c'est con parce que du coup ça. Ah si lui, du coup il prend 12 et je le du coup il meurt. Ça va pas servir à grand chose, mais et puis ça sert à rien non plus. Hop. Non, ça sent pas le roussi, on a quand même quelques défenses. À ce tour-ci, on va peut-être prendre un peu par contre. Oui, parce qu'on De pourra nouveau. pas les stun deux fois de Bah, suite. ceci étant, ils sont tous à un point. Il y en a 3 à un point de vie là, Oui. donc. Peut-être Ouf. moins de nettoyer un peu, mais. Bah voilà. Il y en a plus, c'est bon. Finalement, on prend pas trop cher. Hop. L'astre, il prend encore un peu cher. Non, ah, le strip prendra rien du tout. Hop. C'est bon, il n'y a plus de dégâts. Putain, ça serait bien là si j'avais le truc pour virer tous les. Voilà, à chaque fois que je Toutes pioche une les carte de armures. statut, on chope tous 6 de bloc et j'inflige 2 fois 6 points de dégâts au monstre le plus proche. Je peux rajouter une Faut que je marque. génère des cartes de statut. Ouf, ok. Ça c'est fait. Ouais, j'ai fait un peu de ménage. Un peu. Là, ça me coûte cher en vis, mais ça pique un peu quand même. Ah putain, j'arrive pas à. Hop. Tac, flèche fendue sur le boss. Sournoiserie sur le boss. Tiens, coup de jet. Ouais, on a de quoi le défendre. Je commence enfin à arriver à protéger un peu. Il serait temps. On est au niveau 10. Bah oui, mais c'est typiquement c'est là qu'on commence à prendre le plus cher, donc Oui, c'est pas mal au final. c'est pas faux. Ouf. Boum. Je tue le boss. Allez. Bim. Flèche. Ça fera aucun effet, c'est bien. Tac. Toi, va voir ailleurs si j'y suis. Et puis Bah mais tu y es pas. un peu de dégâts. C'était la ruse. Hop là.
nettoyage. Oui. Bon. Et c'est presque un peu overkill. Allez. Hop. Ouais, j'ai même pas de carte légendaire, c'est naze. Non, ça pourrait être pas mal en fait. Piocher plus. Infliger 15 de dégâts épuisement, ça me va bien. C'est les cartes qui t'encombrent pas trop. Perdre 6 PV max, oh, putain. Allez, nouvel essai. Raté. Il y a un moment, et réussi. Il y a un moment, ça sert plus à rien. Hein. Je on dire, en a mais... 3 sur 12. On est au combat. On est au niveau 11, ça sera plus grand chose. Hein. Oui, c'est pour le principe. Une autre mitraille. Une autre mitraille. Du coup, qu'est-ce que je veux upgrade comme carte? Putain, bon, à chaque fois de bouton, ça me dit. Une autre mitraille. Mana Shield, non, il est pas mal celui-là parce qu'il me file. Une transfusion à un joueur au début du de statut. Combat. Ouais. Et c'est bien. Et puis du statut. Je peux choper un deuxième grit. Ah, mais ça coûte cher le grit. C'est quoi? J'ai 22 PV max. Ah bah si, je vais changer mon érudition, ça me fera un deuxième arcane stupor en plus. Et donc il faut bien que je monte un skill card. Hop. Ouais, plus 2 de mana. C'est dommage que ce soit. Si ça sert parce qu'au prochain tour j'ai encore un forgeron du coup. C'est bien que j'ai encore un peu de mana quand même. C'est pas une carte. On va faire un petit goût de soin au dernier tour aussi. Ça sera intéressant avant le combat final. Oh, le soin c'est pour les faibles. Ça. Je suis faible. J'aime bien. À l'ast, un artefact, moi 2, Gaelden 7. Non, on a couru après les gemmes toute la game, alors t'as les bonus de mana quand même. Allez, deux mitrailles. Je peux enlever l'armure, mais là il n'y en a pas pour. Si, il y en a un petit peu. Alors je fais une mitraille, et j'enlève l'armure, et je refais une mitraille. Hop. 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 Et hop. Bon, je peux faire un dégât. Je peux rien faire d'autre. J'ai tout dépensé. Bah, moi je peux mettre 10 de bouclier, voilà, c'est tout. Ouais. 11 de bouclier. Ouais, le soin c'est pour les faibles, hein, c'est ça. Bah ça, moi je viens de soigner 5 en début de partie là, donc. J'ai jamais dit que j'étais pas faible. Hein. Allez, mieux à partir du prochain tour. Hein. Ah, c'est quoi que t'as chopé le toi? Le burn, c'est quoi? Une carte joue de moins. Joue one fewer card next turn. Ah, c'est chiant ça. Bah surtout quand j'ai beaucoup de mana. Mais je peux en faire piocher 2. S'il faut. Mais ouais. En te refilant 5 points de mana en plus. Non, bah, je manque pas de mana donc... Non, j'ai plutôt besoin mais de cartes. Mais moi j'ai besoin en fait, parce d'accord. Que... Qui est-ce que je peux enlever? Il faut que je fasse du blocage, sinon on va tous mourir. Marquer. Alors. Qui est-ce que je voudrais marquer à 3? Genre qui fait mal. Genre. Tac. Ensuite je fais ça. Et ensuite. C'est que t'as 8. Non mais j'ai une flèche assommantante. Ouais, bah je vais attendre avant de... Parce que je peux encore mettre du bouclier donc... Oui bon déjà c'est bon, tu prends plus grand chose. Je vais mettre le bouclier à moi. Si, non t'inquiète parce que là je te file 2 de heal, 2 de blocage, voilà. Tu prends plus que 1. Je prends plus que 1, qu'est-ce qu'il me fait? C'est ce connard là. Là maintenant j'ai 5 mana et je pioche 2 cartes en plus par tour. Peut-être commencer à faire. Hein. Et mon tir de barrage, en fait c'est pas terrible tir de barrage. Bah non, ça va pas avec les flèches assommantes en fait. Ouais. C'est 5 de mana et je peux rien en faire, c'est quand même un peu con. Faut que tu passes éternel. Oui, mais... Pardon. Là, c'est parce que j'attendais qu'Alaster passe mais il avait déjà passé. Voilà.
Ah, c'est bon, ça m'est arrivé que 10 fois dans la soirée, ça va. Franchement, je vois pas de quoi vous vous plaignez. C'est chiant de piocher une carte de moins, putain. Tu prends 49, toi. Je peux assommer de ton côté. Bah, je veux bien, moi je peux te filer du bouclier après, au pire. Donc, si tu peux assumer de mon côté, ça peut suffire. J'ai dit assommer, j'ai pas dit assumer. Bah, tu pourrais faire les deux, c'est pas d'effort. Bah, surtout, moi, il me reste plus que 7 PV. Hein. Oui, quand non, même. Mais t'as que je peux filer 20 points de bouclier là. Donc, toi, c'est bon, je t'en file 10 à toi et je t'en file 10 à. Tu prends plus de dégâts, toi. Hein. Hop, et hop, voilà. Toi, tu prends plus de dégâts et Alastair, il prend un 5, il prend 2. Hop, tiens, et là, lui, je le tue. Très bien. Y a pas une marque à filer. Bon, je vais filer une marque aléatoire. File. Bah, moi, je vais en mettre au prochain tour. Bon, voilà, je suis un monstre à 11, c'est toujours ça de prix. Hop. Putain, fais chier, je pioche 2 cartes de moins. Ah non, c'est une carte de moins pendant 2 tours. Non, non. Draw two non. Fewer cards next turn. Bon, heureusement, je peux assommer. Alors, on va tenter ça. Je te sauve un peu les miches à l'as. Non, c'est. C'est Éternel qui prend un peu. Mais je peux me mettre. Non, c'est bon, t'inquiète, je peux me mettre 20 points d'armure. Donc. Bah écoute, je vais déjà faire ça. Bon, du coup, je vais pas me mettre 20 points d'armure. J'ai combien de cartes de statut là? Comment est-ce qu'on peut vérifier le nombre de cartes de statut qu'on a? Aucune idée. 1, 2, 3, 4, j'en ai que 4? Bon, c'est pas énorme. C'est pas assez en tout cas. Allez, je vais remettre un peu plus. Ouais, non, ça sert à rien de mettre de la marque, de toute façon, il n'y a pas de boss. Non, d'autant plus s'il y a personne qui a de la marque, en fait, moi j'en rajoute 2 de façon aléatoire à la fin du tour. Allez, je repioche 2 cartes de moins. Pour l'île des merdes. Boum. Ah. Voilà, on démarre le tour avec 24 de. Ça, c'est mieux. Avec 24 de bouclier. Ouais, là... normalement on prend rien. Ah, si, c'est intéressant comme c'est la première fois que je joue ce build là. Le build de statut. Là actuellement, à chaque fois que je pioche un statut, on chope 9 points d'armure et j'inflige 9 points de dégâts et 6 points de dégâts au monstre le plus proche. Allez putain, foutez-moi la paix, con de mine. Certains que je vais pouvoir monter. Ah si, je peux monter encore un cran plus haut, mais ce sera tout, je crois. Stop casser les couilles. Pourquoi j'ai. Ouais, le problème c'est qu'avec trop de cartes, je chope jamais de. Mes mitrailles, je les chope plus. Ça va commencer à être moi qui commence à nettoyer maintenant. Et ben voilà. C'est avec quoi que tu fais ça? C'est en fait j'ai une influence ultime qui à chaque fois que je pioche une carte de statut nous file 3 points de blocage à tout le monde et inflige 3 points de dégâts au monstre le plus proche. Et c'est stackable. D'accord. Voilà. On s'amuse comme on peut. Oh bah tiens, je vais pouvoir monter à 3 points de mana et 3 cartes piochées en plus par tour. Amusons-nous. Bon, rang 50% PD PV quand même. Hein. Comet Shun and Shuffle, non, ça je me. C'est le dernier tour de toute façon. Oui. Échange marque Greg conduite aura, bah oui. Ah bah oui. Et coup de pied contre coup de manchette, ah bah oui. Ah bah, sans hésiter. Poignée de 50%, ça peut être pas mal aussi quand même. Hein. J'aurais besoin de.
8 fois que je me gourde pourtant. Non, les influences, j'ai plus rien à monter. Et en skill, lui, ça donnerait quoi? J'ai fini. Ça, j'ai pas envie. Ah, si, ça peut être pas mal. Donc, le mental wall. Ouais, allez, on va faire ça. Donc, du coup, j'upgrade conduite aura 8. Ah! Le Dark Pact. Ouais, je vais plutôt prendre le Dark Pact. Ça veut dire que je me soigne que de 7. Non! Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas upgrade la bonne carte. Ah. Tant pis. Ah putain, quel con. C'est dommage. Non, c'est pas très très grave en soi, ça commentera bien avec une autre carte que je viens de prendre, mais. Là, je me suis précipité. Allez, le cuisinier. Allez, on va choper des petits plats. Et bah, ça fera des cartes pour lesquelles dépenser le mana. Ah bah non, parce que ça coûte 0. Invoque des monstres, augmente le compteur de peau épaisse de 10. Alors on va commencer par ça. Ne tapez pas, je vais les soigner. Ok, bah soigne. Moi j'en invoque et ensuite je mitraille. Attends, ou je tire de barrage. Tire de barrage, ça me semble pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Putain, au début de la partie, j'avais trop de cœur, maintenant j'en ai plus assez, quoi. Ça nettoie un peu. Hop. Mitraille, mitraille. Oh putain, j'avais un pitoyer. Parce que maintenant, je prends du dégât. Je sais pas. Fais chier, j'en prenais pas avant. Ah, j'ai encore une mitraille. Est-ce que la flèche fendue. Alors là, tu prends plus de dégâts. Non, c'est bon. J'ai mis assez de boucliers à tout le monde. D'accord, mais j'avais assommé le mec qui te tapait aussi. En fait. D'accord. Oui, mais c'était Gaeldan, il prenait un peu cher, donc il fallait quand même que je lui mette un peu de boubou. On va commencer à dévisser assez sérieusement. Hop. J'ai fini, moi. Pas moi. Là, c'est encore un peu de mana. Et il peut jouer des trucs. Laisse-le ouais, faire. Mais je veux pas jouer. Je boude. Non, mais je regardais, mais la carte est pas folle et je préfère garder les vis. Ouais, on est très vicié chez nous. Inflige 5 de dégâts à un joueur, augmente le compteur. Est-ce que t'as moyen de te monter ton armure à l'ast? J'ai dit la monter, pas la descendre. Bien sûr. Je sais pas trop. Je vais voir. Moi, je me perds de. Au pire, je peux sacrifier un de mes buffs pour te filer un peu d'armure. Mais... Non, mais je suis à 30 PV, je vais prendre les dégâts. Hein. Ok, bon bah comme ça là maintenant à partir du prochain tour j'aurai 6 points de mana et 3 cartes en plus. Ça va commencer à dévisser. Moi je peux stun l'as de ton côté pour éviter que tu prennes des dégâts. Ouais bah c'est bien, ouais vas-y fais ça. Ah bah nique. Oui tiens, bah, du coup je t'inflige quand même 2 points de dégâts pour le principe. Bah ça permet de faire monter le compteur et c'est lui qui a plus de points de vie donc. Bah là le compteur on. Il est déjà 27, hein, ce qui est en deux tours, c'est très important. Là, ça va commencer à déboîter. Tu l'as dit au début du tour précédent. Oui, mais là encore plus. Ici, je commence chaque tour avec 6 points de mana et 8 cartes en main. Alors, un petit effort optimal. Viande mystérieuse, augmente le compteur. Ah, moi, j'ai pas beaucoup de mana là pour le coup.
veux soigner tout le monde de 5, je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est un peu tôt. Bah de toute façon, Eternel est mort au prochain tour, donc... Bon. Ah non. Non, non, t'inquiète, hein. J'ai encore un peu de marge. Je sauverai. Ah mais non, faut pas que je les utilise, moi, les cartes du boss. Parce que c'est des cartes de statut. Ça va être rigolo. Je sens que ça va être rigolo drôle. Allez, vas-y, file-moi des cartes de statut. Allez, un autre coup de manchette. Non, je vois assez mal comment il pourrait me tuer. C'est fini. Bon, je les soigne quand même. Ah ouais, vas-y. Moi, c'est juste moi qui garde mes cartes de statut. Oula, ah non. S'il commence à venir me taper au cac, ça va pas être la même. Bah, tu remarques qu'il était à distance, il t'a quand même attaqué. Ouf. Oh la vache. Ah oui, pardon, c'était mon influence de base, j'avais oublié. J'avais oublié que ça faisait 3 tours. Oh la vache. Ouais, j'ai infligé 50% de mes HP max à tout le monde. Y compris à moi. Mais comme j'avais de l'armure, du coup, ça s'est pas senti. C'est facile, c'est drôle. Marquage, on pourrait peut-être le marquer lui quand même, ça pourrait être une idée quand même. Ouais, il a plus de 19 PV. Ah, c'est pas faux. Il a pris un peu cher à ce tour-ci. Tiens, je peux enlever de l'armure, mais c'est pas nécessaire. Il y en a plus. J'ai fait 3 de plus. Hop. Il est pas totalement exclu que le boss meure à la drôle. Bon, écoute. Si c'est le cas, on va pas pleurer. Hein. Voilà, entre autres. C'est dégueulasse, tout ce qui balance. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 5 flèches assommantes dans ma main. On m'appelle un gâchis. Et c'est tout? Oh, c'est tout. Et... C'est intéressant ce run, il va falloir que je le refasse là. Le build de full statue. Hop là, tac. Plein d'émotes. Aussi, je veux des cartes. Des artefacts. Ah bah non, j'ai pas une carte. Dommage. Boom. Et ben ouais, voilà. Merci à ceux qui ont suivi ce live. Merci à ceux qui auront regardé cet épisode sur YouTube. Voilà. Et lui, j'espère... Pas merci, hein. On espère que ça ouais, vous aura plu. Merci à mes deux coéquipiers qui ont roxé du poney. Pas vraiment, mais. même si Alastre a de temps en temps oublié de passer son tour. T'as récupéré l'artefact ou pas du coup, Alastre devant? Pas du tout. Non? Ah oui, si. Oui. Oui, je l'ai récupéré, oui. Allez. Ça change un peu la vie quand tu Ouais. Des bisous. Bye bye. Bisous. A plus.